Et même genre à tout le monde qui te gagne occasion de suivre débat hier soir, débat J a te proposé et payant dans l'occasion élection ça yo. Alors si tu es invité 6 candidats, c'est 5 qui te répondent présent. Grand pile bail qui dit depuis hier soir concernant débat ça, bon tout le monde gagne droit pour yo bail opinion yo et c'est pour ça en pile monde te goumé, c'est pour ça en pile génération haïtien perdu la vie, gen kal nan prison, gen kal nan exil, et gen ki toujours en bas persécution, peut-être bataille ça, et que gen en pile secteur réactionnaire qui pas prêt pour pardonner, gen ça que peuple haïtien fait, et chaque fois occasion présenté, yo sorti pour ta remettre babouquette là, même pigo babouquette, yo ka mette nan bouche un journaliste, c'est là que ou même, ou à pratiquer autocensure. Ça veut dire que, ou même pour qu'on vous prenne, parce qu'il a fait pression sur vous, mettez-le dans la bouche. Et c'est plus gros malheur qui arrive, un journaliste ou bien un média. Nous estimons, nous avons une opinion, même gens à tout le monde, et nous avons le droit pour exprimer opinion en toute liberté. 5 candidats qui étaient présents dans le débat, j'y ai été enregistré hier matin dans le Caribe Convention Center, et que qui était diffusé hier soir sur antenne radio, télé Kiskeya, mais sur plusieurs autres médias, gens que tout le monde qui t'a suivi était ouais là, yo tout yo gain passé qui donc yo gon bilan, contrairement à ça certains an yo t'a voulu faire quoi. Dans 5 candidats ça yo qui était présent dans débat, gain 2 là-dedans yo qui était occupé de postes électifs très élevés dans société haïtienne là, yo était sénateur. C'est qu'à Edmond Supplice Bozil et Moïse Jean-Charles, tous les deux étaient sénateurs. Mon troisième, Jude Célestin, qui était occupé un gros poste tout dans l'État, il était directeur général CNU. Et CNEA, sous Préval, c'était une grosse institution que le TIE, institution publique, qui était impliquée dans faire route et dans comme bras armé gouvernement. Et il était proche Préval. Deux autres candidats qui étaient présents, Jovenel Moïse, il racontait nos success stories concernant, et c'est un président qui mettait en orbite, et c'est le dernier président qui était élu, qui était en tête d'un pays, hein. C'est Michel Joseph Matéli, qu'on connaît. Et puis, il y a Jean-Henri Seyan, qui lui-même pas jamais occupé aucun poste dans l'État, aucun poste public, son notaire, mais pas occupé poste dans l'État, ça pas veut dire que le pas proche une série de pouvoirs qui passaient dernièrement dans tel pays. Tout pour nous déconner, il était très proche ancien président Jean-Bertrand Aristide et dossier, il y a un dossier qui bal en pile problème qui fragilise le dans campagne électorale là, c'est question affaire opération crasé caille en bas la ville là comme notaire, il était offri service ni, mais en pile monde assimilé ça à proximité il était gagné avec Michel Matéli. Donc, il a gagné rapport avec une série de monde qui t'a dirigé le pays. Moïse Jean-Charles, il était dans le cabinet président Préval et il a toujours revendiqué le rôle qu'il a joué côté président Préval en tant que monde, d'après ça, il dit, et le bâtiment de crédit, qui a mené des marches pour Haïti te bénéficier du programme ça, qui sont programme phare et gouvernement Préval, Petro-Caribé. D'ailleurs, c'est en bas, bannière unité, il était élu comme sénateur dans l'année 2009. Moïse Jean-Charles, à la fois, te gen rapport avec Préval, mais il te gen rapport avec Aristide. Il était magistrat Milo pendant 3 mandats, c'était une période très difficile dans l'évolution de la Valas dans le pays, avant de devenir sénateur. Même Jean et Jude Célestin, nous connaissons qui était occupé poste ça dans tête CNE et qui était bras armé Préval sous pouvoir. D'ailleurs, il te dit c'est une. Et non, et institution qui prospère dans le domaine élite et dans le Caraïbe, ça prévalait dit. Donc, même Jean avec Jude Célestin, Moïse Jean-Charles vient émanciper de Préval. Et Moïse Jean-Charles divorcé avec Aristide. Et au songe, qui vient ça te passer, il mettait le dehors et dans parti famille Lavalassan, c'est ça qu'il va le faire, pour créer propre parti PAL. Si que Jude Célestin, c'est ton créature Préval dans l'élection 2010, yo, mais nous pas qu'à dire même gens, honnêteté intellectuelle, obligez nous, en 2015, il était émancipé de paternité, ça. C'est pas en babanier Préval, il était paraître devant population.
Jean-Henri Seyan li divorce tout ak Jean-Bertrand Aristide après que li te nan campagne électorale, li t'a pralé nan élection avec l'espoir que li t'a jwenn appui Jean-Bertrand Aristide qui était nan route pour tourner vini en Haïti fin 2010 début 2011 et nous connaissons Jean-Bertrand Aristide pas appuyé. Après ça café yo pral couler ak ma les Jean-Bertrand Aristide entré dans pays a et puis c'est divorce qui consacré sous la place publique. Si Edmond Supplice Bozil pas gain parrainage ni Préval ni Aristide ni Michel Martelly pour te entrer dans politique et arriver journée jeudi a on l'offre encore comme candidat, ça fait deuxième fois li est postulé pour poste là, mais Edmond Supplice Bozil en tant que femme d'état et qui était sénateur li connaît très bien li gain un bilan nan passage li nan sénat. Par exemple, les que te gagnent pour te voyager nan moment parlement te gagne pour te ratifier Laurent Lamotte, eh bien li te quitté pour l'autre sénateur et Hippolyte pour te voter pour lui. Sénatrice pas jambe expliquer juste ça. Edmond Supplice Bozil parti l'en fusion fait alliance plusieurs fois à gouvernement qui passait dans pays pendant dernière année qui se passé là. Fait alliance avec Préval et puis dernière alliance là c'est avec Sutmiki Michel Martelly. Côté c'est lui-même qui était signé accord politique après échec Elran Choa qui c'était accord politique janvier 2015 qui était signé dans Pétionville, dans Kinam, et à quoi ça, c'est lui-même qui t'a pris accoucher et gouvernement, premier ministre, Evans Paul, derrière au Parlement, puisque pas de Parlement, d'être ça. Et c'est à la faveur, justement, de campagne électorale, côté Sutmiki, t'es pratiquement, virtuellement violé une dame dans Miragouane, que madame Supplice Bozil, la toute dirigeant fusion, yo, pral retirer trois ministres de gagnants et dans gouvernement, ça. Gouvernement Martelly Paul. Donc tout le monde gen bilan. C'est vrai Jovenel Moïse pas occupé aucun poste dans l'état. Mais cependant il y a question qui méritait pour poser dans ça qui concernait prospérité ak entreprise ça que c'est gouvernement tête calé à lui-même qui t'a fait louange pour lui. Pas oublier pendant dernier mois le passé sous pouvoir, président Martelly passé pratiquement 6 mois, il presque pas traité n'importe au prince pour la faire campagne Jovenel Moïse. Et chaque fois, tu as imposé nation succès ça, qui c'est succès Jovenel Moïse, que investissement plusieurs millions de dollars qui fait, quelques informations qui filtrent montrent que tu as gagné en pile parrainage, en pile bénéfice, l'État te permettre que tu es capable de financement pour projet ça. Juste dans le moment où on a parlé là, par exemple, quelqu'un qui est capable de faire un bilan indépendant de projet ça. Donc tout le monde lié à l'État. Ça veut dire tout candidat qui a gagné devant nous, yo tout à des degrés divers yo te gen rapport ak moun ki te dirije pays an ki jounen jodi a yo gen bilan gen tout passif ça que nous connaît que tout moun a critiqué. Ça c'est ça qui concernait ça qui t'est passé et ça que tout moun doit assumer à honnêteté intellectuelle parce que nous pas avle tout pour nous tomber dans situation de perversité générale côté des moun qui gen dossier des monde qui coupable et puis journée jodi a c'est eux même qui a dit l'autre monde coupable comme si eux même tout d'un coup ont blanchi ont vinn innocent ou bien des monde qui gagne responsabilité pour déclarer pas gagne responsabilité et puis ont effacé tête ont blanchi tête aux gens ont voulez histoire que Haïti toujours était une machine une grand blanchisseuse qui a blanchi tout le monde là faut qu'on côté nous river nous camper sous ça et que tout le monde assume ça yoyé et c'est ça nous croit qui important dans moment n'a vivre. Débat hier soir, pas besoin d'entrer dans tout détail. Parce que en pile monde te ouais qui ça te dit format débat, en pile critique et question yo gens yo te formaté yo et temps pour candidat te répondre, il y a plusieurs en pile défaut dans style de débat ça. Mais cependant, il y a quelques points qui t'ont attiré attention. Par exemple, tu as des coups politiques. Tu as des nouveautés tout dans débat. Moi, j'ai retenu deux dans la nouveauté. Youn, c'est candidat plateforme Petite Dessaline dans Moïse Jean-Charles. L'autre là, c'est candidate et
candidat la paix et qui pote. D'abord, m'a commencé à candidat la paix Jude Célestin. Jude Célestin parlait de former deux médecins en deux années et pour capable bail pays a suffisamment de personnel médical pour faire face à situation que nous gagnons qui à la fois gon manque de médecins, gon manque de matériel, gon manque d'infrastructure générale. Nous connaissons ça, il fait un buzz. Parce que nous-mêmes, à qui s'en habitué, l'homme entré dans la faculté de médecine, il fait 8 ans l'a étudié. Et les gens sortis sont docteurs liés en médecine. Donc nous pas habitués à séquence, à segment de formation ça. Bien que le candidat ait insisté pour dire que ce n'est pas docteur qu'il y a payé, mais nous avons deux candidats qui sont retournés sur le dossier ça. Edmond Supplice Bozil qui dit que attention pour ne pas tout le peuple avec médecin qui a formé dans 2 ans. Yo, et puis qui te gagne appui candidat plateforme petite Dessalines Moïse Jean-Charles et dans façon que il réagit par rapport à dossier ça ben c'est toujours problème non dans débat ça pas gain temps et pour candidat retourner pour bail plus explication mais nous quoi te gagne dans pays la Chine les révolutions Mao ça été les médecins au pied nu c'était des formules côté te formé moun yo rapidement bon moun qui intéressé qu'a toujours à chercher. Il y a toujours à chercher qu'on ait si ça existait ou bien s'il pas existait. Mais c'était une formule nouveau et qui suscitait débat. L'autre nouveauté, mais notez qui passait sous silence dans débat hier soir, c'est candidat plateforme Petite Dessalines. Moïse Jean-Charles pas conformiste du tout. Là il a parlé de problèmes linguistiques qui étaient des problèmes compliqués dans le pays d'Haïti, qui liés à histoire, qui liés à sous-développement non. Qu'il y a évolution en tant que peuple et qui c'est un vieux démon que nous gagnons, que nous avons exploité jusqu'à présent pour qu'il y ait plus forte population dans l'exclusion. Est-ce qu'elle t'a réfléchi sur question? Est-ce qu'elle pas réfléchi? Moi, Jean-Charles a annoncé une rupture s'il arrivait comme président avec le monde francophone, avec la francophonie. C'est tout simplement ça. Lui-même lui dit que depuis qu'un haïtien sorti dans le pays, il n'a pas gagné une langue qu'il a parlé. Et lui proposer une langue qui qualifie de universelle. D'abord, l'anglais, même s'il souligne l'espagnol, mais dans la démarche, nous croyons que c'est de l'anglais qu'il voulait parler, puisque il y a un exemple qui existait et qui sortit dans la francophonie, c'est Rwanda. Ça, c'est une bonne nouvelle. Certainement, mais sûr que l'ambassade de France prend note 5 sur 5. Et tout francophone et francophile qui est dans le pays, il prend note tout. Moi, Jean-Charles, l'elle fait geste ça, et peut-être, et ça fait demander si tu réfléchis, parce que langue française, là, fait partie de 5 langues qui parlent dans les Nations Unies. Ça veut dire, li estampillé langue universelle tout, même si on notait li en régression. Mais c'est une langue de travail, Nations Unies. Et Haïti te joue un rôle, parce que pourquoi décoloniser l'Afrique, pour te faire accepter langue française, là, et que tous les pays francophones d'après le bénéficier, et en premier la France, bien entendu. C'est un dossier extrêmement sensible. Il y a même dimension avec le dossier restitution pour Français. Pas qu'on est. Mais là, nous croyons que le candidat Moïse Jean-Charles, lui a un gros morceau et un dossier qui est extrêmement complexe. Même Haïtien qui ne parle jamais de parler français, il est très attaché à la langue française. Pas oublier, réforme Bernard là, difficulté de gagner. C'était d'abord dans le monde qui pas de lire, pas de écrire, pas de parler français. Il y avait toujours besoin pour petit de parler français. Parce que parler français, hein, c'est lui-même qui montrait que gon ascension sociale pour diverses catégories qui plus marginalisées dans le pays. Annoncer une rupture avec la langue française, non? Nous ne connaissons pas si leader plateforme Petite Dessalines, non? Terrain ni compte de Saldien, et s'il en mesure tout. Et pour le capable assumer conséquences qui capable venir avec ça. Alors dans l'université langue peut-être anglais c'est la langue la plus répandue dans le monde, la langue la plus parlée, la langue d'affaires, mais nous connaissons une grosse concentration de langues et qui c'est dans le pays la Chine, c'est langue que les chinois parlent. Donc ils sont gros débat sur question linguistique non, mais malheureusement même j'ai avec plusieurs autres questions encore, il y a pas de temps pour entrer en profondeur dans débat ça. Donc, c'est deux points qui étaient extrêmement importants et comme nouveauté dans le débat hier soir. On y a dans ça qui concernait coup politique.
Edmond Supplice Bozil font gros coup politique. Là, c'est lui-même qui rappelait tout le monde qui était là et puis tout le monde qui peut le regarder. On a appris dans la télévision, on peut le entendre dans la radio, que hier, 20 septembre, non, c'était anniversaire Jean-Jacques Dessalines, fondateur Nation Haïtienne. Non? Ça a été fait 258 ans. Qui j'en fait pas Moïse Jean-Charles, qui revendiquait l'idée de héritage Jean-Jacques Dessalines non, qui t'a fait annoncer ça. Ça a son gros coup politique que Madame Supplice Bozil fait dans l'occasion du débat hier soir. C'est un homme qui que leader de la plateforme Petite Dessalines non, dit encaissé quoi. L'autre coup politique, c'est le candidat PHTK. Là, il a fini le débat. Dans la dernière minute, ils font un gros coup politique. D'ailleurs, que alliés ils ont salué. Là, ils vini, ils demandaient quelques secondes pour mémoire. Un homme, il dit que contre blanchiment d'argent, contre corruption, qui c'est monsieur Robert Marcelo. Nous connaissons qui disparaît. C'était gouvernement, sous gouvernement préval. Et par exemple, il y a explication jusqu'à présent. Si partisans, candidat PHTK tête calée a trouvé son bon point de faire, que l'autre monde qui était senti très mal à l'aise de l'exploitation politique, ça, dans la mesure que parti politique, M. Jovenel Moïse, non, l'IPAT jamais fait un pendant 50 ans de passer sous pouvoir pour te connaître qui côté M. Marcelo est passé. Pas jamais un jour, il n'a pas demandé pour te l'ouvrir une enquête. Allez, ouais, pour te condamner, ça qui passe. Si que gouvernement non, te fondé mal sous ça, il t'a légitimé pour te dire ça, te dit hier soir. En plus de ça, pour ça, M. Marcelo perdu la ville là, il disparaît là. C'est le gouvernement justement pour Commission nationale passation de marché public là, respecté dans quatre batailles contre corruption. Qui ça PHTK fait lui-même l'arrivé sous pouvoir avec institution publique ça? Si le gouvernement qui s'appartale, qui passe l'en bas pied, c'est bien le gouvernement Matéli la motlan. Côté au coup circuité systématiquement et tout le contraire, c'est de gré à gré. En plus de ça, candidat PHTK tête caléa, M. Jovenel Moïse, l'inon situation extrêmement délicate. Le fait que gen rapport ça eu crève fait sous lit. Le rapport en passant pour nous dit c'est publié eu crève direction ça a publié mais nous avons mené enquête. Parce c'est pas et pas parce que le candidat kounya là il était commencé. Son bail qui commençait depuis plusieurs mois. Sans que le pas éclairci tête li par rapport à rapport ça qui sous dit accablant. Et puis lui-même encore lui vient à parler nous de monde qui a bataille contre corruption. De monde qui a bataille contre blanchiment l'argent alors que yo accusé dans document UCREF de ça. Nous quoi décence exiger que te éclairci tête convenablement avant que te vienne faire ça te faire hier soir avec dossier monsieur Marcelo. Mais bon l'autre point encore gouvernement parle. Li gon on disparu tout que pas jambe bay nouvelle de lui qui ses amis président Matéli qu'on a dormi la caille. C'est Evans Daniel. Donc, nous trouvons très mal placé pour lui faire leçon ça hier soir. Mais ça qui est gênant en plus dans le dossier ça, nous sentons que, puis il y a un candidat, il y a une accusation de corruption, accusation d'assassin contre candidat la PA qui c'est Jude Célestin. Quitte ce candidat Moïse Jean-Charles, quitte ce candidat Edmond Supplice Bozil, quitte, c'est M. Jovenel Moïse, qui lui-même, avec en pile l'adresse, en finale, aboutit à la même conclusion. Mais il y a un candidat, c'est peut-être format émission en tout. Il y a un, la donne pas arrivé à accuser candidat carrément. Alors que, dans la campagne électorale, pas de monde qui a fait mon cadeau, ou un dossier comme ça, c'est mettre à terre. L'autre coup politique, il y a un metteur. Jean-Henri Seyan qui t'a essayé tout sous dossier CNE. Quand elle te dit CNE pas de exister. Jude Célestin te répond ni. Mais nous t'attendons réponse candidat Moïse Jean-Charles qui t'a dit que si CNE pas d'exister, il y a des gens qui vont être riches. Donc il accusé candidat à la PA Jude Célestin d'après avoir monsieur lui enrichir personnellement et de façon illicite et avec CNE.
Et c'est même accusation tout Edmond Supplice Bozil gen pour lui. L'Edmond Supplice Bozil déclaré que moun ki gen contrat pour te faire plusieurs kilomètres de route qui fait un petit crash, oublié combien exactement et qui pas fait restant. Alors que Moïse Jean-Charles dit qu'on a été campé dans mitan deux taureaux, ça a gen contrat avec l'État haïtien en parlant de Jude Célestin avec Jovenel Moïse et qui pas honoré contrat. Mais téléspectateur, auditeur, li rete quoi qu'on dit sous fin. Il y a un grand goût d'explication dans mes candidats qui pas aller aussi loin et en même temps tout qui pas comprendre que candidat la PA Jude Célestin qui était pratiquement acculé parce que presque toute candidat était fait courir sous lui et lui-même qui pas répondre même s'il bail deux trois petits coups mais il pas arrivé et prend une position et une distance qui pour éclaircir situation ça définitivement. Il pas essayer utiliser youn en tant que te gagner pour te rejeter catégoriquement accusation ça yo. Il contente seulement pour dire qu'un candidat à la présidence pas de servir avec rumeur. Ça qui pas de gagner dans le débat hier soir. Premièrement, ou pas qu'à situer idéologiquement personne. C'est vrai, sénateur Moïse Jean-Charles revendique de la gauche. Et gauche, ça, il étonne à Dessalines, puisque il dit que c'est lui-même qui est porteur et revendication et idéal Dessalinière. Mais après ça, pas gen anken anyen nan débat qui te montre que li te gen projet qui différent de l'autre yo. Parce que tout candidat yo, yo a fait face à même problème yo. Différence non, c'est dans qui système yo pral entrer pour capable résoudre problème yo. C'est qui qualité solution yo pral porter et c'est dans ça ou pour mak fabrique idéologique yo. D'ailleurs candidat pas même besoin d'ou qui idéologie là. Dans démarche li, dans ça l'a fait ou pour différence non. Madame Supplice Bozil te parler lui-même de ses social-démocrates. Bien que nous pas ouais en ken en yen dans débat hier soir qui te montrait une différence. Parce que Jean question était fait là et Jean réponse était bail là. Nous pas senti te gon approche le système non qui mettait nous là. Et de façon systémique comment yo pral approcher pour porter solution. Ça mène nous en gros dans ça qui pas gain dans débat ou bien qui t'est abordé mais qui pas abordé dans fondamental li. Par exemple, sous système économique là, qui produit toute misère, ça, toute pauvreté, qui réponse candidat ça a gagné, qui préoccupation yo, et qui moyen yo gagné pour bay réponse, pour retirer population dans misère. Parce que premier ennemi numéro un peuple haïtien, c'est ignorance avec la misère. Yo te abordé superficiellement question protection sociale là. D'ailleurs, MDG nous appelle sous ça. Un médecin qui est très préoccupé le fait que la question ne soit pas abordée sérieusement, surtout dans ce qui concerne les gens âgés qui lagué dans le pays n'a pas aucun appui. Mais c'est même pas pour tout le monde. C'est même pas pour les célibataires, les gens qui ont petit qui n'ont pas papa. Nous chargeons avec problème social. Qui système éducatif qui est capable de bailler les haïtiens même chance? La question ne soit pas posée. Ni pas de débat. Système judiciaire, un pays qui n'a pas justice, qui compte le aller? Relations internationales, Haïti, d'abord avec États-Unis, ensuite avec Nations Unies, Mission Minusta, avec République Dominicaine. Question ça n'est pas posé. Minusta, Nations Unies, choléra. Mais qui ça qui baille choléra? Qui a choléra fait pour en Haïti? C'est parce que pas de l'eau pour le peuple en sa vie, pas de latrine, c'est des questions fondamentales. Question ça n'est pas posé. Il n'y a pas de débat du tout. En plus de ça, pas de chiffre. Mais quelques promesses qui fait, mais très vagues. Donc, ça la gonne, insécurité, ou a demandé, ou pas, on compte au pralé. Parce que, faut que bagaille ta chiffré, faut que candidat ta vini avec des chiffres pour dire, mais ça moi-même, m'en disposé, mais qui j'en bagaille a fait, mais ton a disposé, pas de bagaille comme ça. Et puis, format débat qui invite affrontement direct entre candidats. Alors que, c'est occasion unique pour tout le monde de vider sa cure et pour tout le monde de capable, ouais. Qui sa chaque moun gen nan di akouto ki sa côté. Et en plus de ça tout journaliste pas capable retourner ça relance faire retour et sous question yo donc ça c'est tout grand défaut qui gagne et nan formule j a plan mais c'est pas nous même qui premier moun qui pral voyer wash sous li malgré des folies li te permettre que nous te wè et nous te tendez et évaluer en même temps ban nous l'heure juste qui côté nous yé dans société haïtienne mi wo mi ba ça qui a charé bagay qui a passé dans pays étranger mais qui pas baï tête ni aucun moyen pour capable gagner yo et qui accepter une société segmentée
et côté que nous pas parler à tout le monde en même temps sous même niveau. De l'autre remarque pour me finir. C'est deux mesdames candidatures. Maryse Narcisse choisit pour ne pas venir. Probablement, il y a un exemple devant. Tu as un candidat qui ne peut pas la personne, il t'a choisi une stratégie bébé et il est arrivé à remporter l'élection en 2006 sur les René Préval. Est-ce que cette formule, ça, candidat Fomi Lavalastan, a pu utiliser en 2016 pour être capable de gagner l'élection? Deuxième candidat là, c'est candidat Fusion. Il y a une formule tout qu'elle utilisait hier soir, Edmond Supplice Bozil. Formule ça, il y a l'autre candidat qui a utilisé, elle est arrivée sous pouvoir. C'était dans l'élection 2010 sur elle, Michel Joseph Martelly. Tout le monde pourri, ni même seul qui bon. Tout l'autre monde était dans le système, non? Lui même n'est pas déjà dans le système. Non? Et c'est même formule là, Edmond Supplice Bozil utilisé hier soir. Rete pour qu'on ait, est-ce que formule ça, yo, il y a poté de bon pour tous les deux candidats ça yo, qui parmi candidats qui s'arrêlé dans pole position et qui a utilisé une formule manger réchauffé et peut-être nous pas connaît c'est ça nous t'ai pensé et en toute liberté c'est ça nous t'ai vle dit et c'est ça nous t'ai ouais comme remarque concernant J.A. Plan qui pas parfait mais qui portait des informations précieuses pour nous.